La vallée des kangourous était un endroit très humide avant. En fait, les gens qui nous ont vendu cette propriété sont partis parce qu'ils en avaient ras-le-bol de porter des bottes en caoutchouc. C'était humide toute l'année. Et maintenant, l'inverse. Même là où le feu n'est pas passé, c'est sec, rien ne pousse. Et ça fait combien de temps qu'il n'a pas plu ? De la vraie pluie ? Ça fait 3 ans. Cette région était une des plus humides de Nouvelle-Galles du Sud, et on n'a pas eu de vraie pluie depuis 3 ans. Notre Premier ministre le nie. Il est allé au Parlement avec un morceau de charbon dans la main et il a nié l'existence du changement climatique. Alors maintenant, politiquement, il essaie de faire croire qu'il se soucie de ce qui se passe, mais c'est la mauvaise personne, à la mauvaise époque, au mauvais endroit. On a besoin d'un dirigeant qui comprenne vraiment ce qui est en train de se passer et nous fasse avancer pour faire face à tout ça. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est qu'un exemple de ce qui se passe sur toute la planète, les inondations massives. Ce qui est sûr, c'est qu'on a franchi le point de bascule. Je n'ai aucun doute qu'il y ait déjà des dommages irréversibles. Mais on peut certainement faire beaucoup pour éviter que ça n'empire. De notre vivant, depuis les années 70, l'homme a fait disparaître 60% de la vie sauvage. 60% depuis que je suis né. Et vous savez quel pays fait la course en tête là-dedans ? L'Australie. Nous faisons disparaître les mammifères plus vite que n'importe qui sur Terre. Tout ça à cause de leur foutue politique gouvernementale.